Alors nous sommes au cœur de la péninsule d'Ossa, dans le parc national du Corcovado, à la station La Sirena, et donc en pleine forêt primaire. Là, il y a des arbres gigantesques. Là, d'après notre guide Oscar, ici, je suis au-dessous, au pied d'une anacardiacée. Je ne sais pas quelle anacardiacée, mais en tout cas une anacardiacée. Donc on sait que certaines personnes sont très allergiques aux anacardiacées d'ailleurs. C'est l'ananas sauvage en fait. Enfin, une des espèces d'ananas. Alors, forêt vraiment riche en plantes de sous-bois, c'est un vrai régal. Là, je suis au milieu de... Ça, je pensais des homalomena. Il y a très peu d'homalomena en Amérique. Il y a quelques espèces. Ça a l'air d'être un grand homalomena. Les philodendrons, bien sûr, qui grimpent. Là, un grand, très, très grosse espèce de philodendron avec des très grandes feuilles. En haut, ça regorge d'épiphytes. Je vois une énorme chose là, qui est d'être un sténospermation. Il y a des fougères, aussi bien des néphrolépis qui pendent que quantité d'autres fougères, dans les aracées aussi là, qui grimpent, des rhodospata. Enfin, donc les orchidées extrêmement présentes. Et puis, bon, dans le sous-bois, comme toujours, il y a quantité de pipères. Là, voici un pipère ici, une autre espèce beaucoup plus petite ici. Il y a les palmiers qui sont extrêmement présents, donc avec des géonomas, des calyptrogynées, enfin donc beaucoup d'espèces. To check in Caparidacé, if something could be. Je cherche toujours un peu les dendrobates, je rêve de voir, puisqu'il y a deux espèces de dendrobates ici, mais pour l'instant on ne les a pas vues. Dans les philodendrons, les sections pteromyscum, là avec les feuilles entières. Un autre pipère ici, évidemment. Et donc là on voit tout ce bosquet de palmiers. Il y a plus de feuilles mortes au sol en ce moment. Beaucoup d'arbres d'ailleurs sont en train de renouveler leurs feuilles. Donc là, je passe à ce très très beau petit pipère que l'on trouve absolument partout. Là, la feuille succulente, partout au bord des ruisseaux. Là, un stade jeune de Monstera. Les Monstera sont... Ouh là là, ça glisse un peu. Les Monstera sont extrêmement diversifiés ici. Diffenbachia, les Diffenbachia très très... Non, je dis une bêtise, c'est une marantacée, là, probablement un Calathea. Un autre pipère arborescent.
Brosimum. I said Brosimum, yeah. They're eating the little berries now. They seem to be happy. It's a male. It's in the male is in the last point in the branch. That's the male. Des grandes marantacées, des grandes cyclantacées aussi. Là, c'est vraiment extrêmement riche. Puis alors là, encore deux arbres absolument gigantesques avec des énormes amas de racines qui sont probablement des racines de clusia qui redescendent là jusqu'à l'eau. Donc, un clusia étrangleur, mais beaucoup plus gentiment étrangleur que ne le sont les ficus. Et on voit donc ces énormes amas racinaires ramifiés qui plongent dans l'eau. C'est vraiment... Il y a les poissons d'ailleurs, je crois qu'il y a des... Ouais, apparemment il y a des petits cyclidés qui se baladent dans l'eau. Oui, c'est vraiment... On est vraiment face... J'ai rarement vu une telle densité d'aussi grands arbres. On est quand même dans une zone assez exceptionnelle de ce point de vue-là. J'ai souvenir, bon, à Bornéo, de certaines zones comme ça, en Guyane, de quelques très très grands arbres, parce que ces arbres-là, quand même, à mon avis, font bien 45, voire 50 mètres, et peut-être plus que ça de hauteur, peut-être même plus que 50 mètres. C'est très très étonnant. Là, je n'en parlons pas, puisque c'est toujours très difficile de savoir quel âge ont ces très grands arbres. Certains sont extrêmement vieux, on estime souvent autour de 500 ans. Parfois, d'autres poussent assez vite et peuvent être beaucoup moins vieux, de l'ordre de 200 ans. Ils peuvent être plus... Enfin, en tout cas, les anacardiacées, a priori, ne poussent pas à une rapidité extrême. Donc, ce gigantesque arbre a probablement, enfin forcément, plusieurs siècles. Voilà, sur les berges, pas grand-chose. Un peu décevante, les berges. On s'attendrait à trouver certaines gesneriacées, elles seraient bien à leur place. On pourrait quelques petites mélastos, des triolénas, des choses comme ça. Pourquoi pas, des petits pileas, des petits péperomias. Non, rien. C'est assez curieux. Les berges sont beaucoup plus pauvres d'une façon générale que dans beaucoup d'autres pays d'Amérique tropicale. Pérou, par exemple, Équateur, où là, même en basse altitude, ça regorgerait de choses. Mais on ne va pas se plaindre parce qu'il y a autour beaucoup d'autres choses. Ah tiens, quand même une petite urticacée, enfin, une stade jeune, probablement d'un beumeria. Voilà. Bon, ben on va continuer cette superbe promenade. Voilà. Thank you.